ensemble plus de 30 ans. Donc, on a passé toute une vie ensemble. Monsieur Ayedi donc, avait débuté ses études à l'UNSH, qui était l'ex-IHP, en 72. C'est là où on s'était rencontrés pour la première fois. Donc, on était étudiants. Tous deux, on était en première année, en 72. À l'IHP, que l'on appelle maintenant l'UNSH, on était dans la caserne Bounama, l'ex-caserne Bounama de Blida, donc la place Toutes. C'est là où était situé l'Institut d'hydrotechnique et de bonification qui a été érigé en École nationale supérieure d'hydraulique. Donc, M. Ayedi avait effectué deux années d'études à l'IHP, on était ensemble, donc on partageait d'ailleurs la même chambre avec lui, on était très proches l'un de l'autre, on partageait la même chambre. Donc, deux ans plus tard, donc on a fait première et deuxième année ici. 72 à 74, donc 72, 73, 74, donc fin 74, nous sommes partis en Russie, en URSS, l'ex-URSS à Moscou précisément, où nous avons poursuivi nos études de 74 jusqu'en 78. À l'Institut d'hydrotechnique et de bonification de Moscou. Et là, donc nous avons eu ensemble un diplôme d'ingénieur d'État. Ensuite, on s'est séparés pendant un certain moment, donc on était des ingénieurs. Donc lui, M. Ayedi avait choisi de travailler près de chez lui, qui est Mouboué, c'est sa terre natale. Donc il était à Mouboué, il a travaillé comme ingénieur à Mouboué. Et puis en 83, il est venu à l'école comme il a commencé à travailler comme assistant d'abord, ingénieur assistant. Et puis en 86, il a en même temps donc entamé des études de post-graduation de magistère en hydraulique et il a pu obtenir son diplôme de magistère en 96, donc magistère en hydraulique. Et depuis donc il est devenu maître assistant, donc il a accédé au poste, au grade de maître assistant. Et puis, chargé de cours plus tard, donc trois années plus tard, après confirmation au poste de maître assistant, il est devenu chargé de cours, donc jusqu'à la fin du séjour, en fin 2011. Alors, M. Ayedi est un peu, je dirais, pas spécial, mais c'est un être qui est. Je ne trouve pas les mots pour le qualifier, c'était un homme extraordinaire. Et d'ailleurs, tous les gens qui l'ont connu ont été ravis de connaître parce que c'est un bonhomme qui est toujours souriant d'abord, plaisantin, donc il aime les plaisanteries. Et c'est ça ce qui fait sa force de caractère, c'est ça ce qui fait que les gens l'aiment beaucoup, parce que c'est un bonhomme très modeste, il est très modeste avec tout le monde, que ce soit avec les étudiants, avec les travailleurs ou avec les enseignants. C'est quelqu'un qui est aimé par toute la communauté de l'école. M. Ayedi a donné beaucoup pour cette école, donc il a formé des générations et des générations. Certains de son produit, bon, des ingénieurs, des nains qui sont maintenant
des enseignants, de nos magistrats ont été formés par M. Ayedi. Et M. Ayedi était toujours, il aimait son travail. Donc c'est quelqu'un qui se donnait à fond pour transmettre le savoir. Il a, comme j'ai dit, encadré un bon nombre d'ingénieurs et même de magistrats à l'époque. Et puis, donc, il a participé à la vie active de l'école, puisqu'il a occupé des postes de responsabilité en tant que chef de département, en tant que chef de laboratoire. Il a participé dans les équipes de recherche. Il a donc participé aussi à l'encadrement d'étudiants, en sa qualité aussi de membre de jury de mémoire de fin d'études. Il a participé pratiquement à tous les jurys de mémoire de fin d'études dans son domaine. Donc, et puis, ce que je peux dire, pour moi, c'est plus qu'un frère, puisque on a passé plus de temps ensemble qu'avec nos familles et avec nos proches. Donc vous voyez un peu la relation qu'il y a entre nous. Et c'est pour ça que d'ailleurs, même les gens ont remarqué, on était tout le temps ensemble. On était le trio, il y a moi, il y a monsieur le directeur, monsieur le rappel, parce qu'on était de. La même promotion s'est connue pratiquement à la même date, c'était en 72. C'est pour la première fois, chacun venait d'un horizon, lui qui venait de Montpellier, moi qui venais du sud, du sud-ouest, et M. Benhafet qui venait du sud-est. Et c'est là, donc, c'était d'ailleurs une promotion, on était 50 étudiants, et dans les 50 étudiants, on venait de pratiquement de tout le territoire algérien. Il y avait des gens de l'Est, il y avait des gens de l'Ouest, il y avait des gens de la Kabylie, du centre, du sud, et c'était ça ce qui faisait quand même notre union. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, nous gardons toujours cette union-là. Et c'était grâce à la vie estudiantine qu'on a pu quand même tisser cette amitié et cette fraternité, je dirais. Et alhamdoulilah, donc nous avons toujours en mémoire notre regretté qui nous a quittés, qui a laissé un grand vide. Et nous le remercions à chaque occasion. Donc nous cessons de penser à lui, donc chaque fois qu'il y a une occasion d'y penser. Et puis même, bon, il nous arrive aussi fréquemment d'aller visiter sa tombe pour au moins lire la sourate de Fatiha et puis je t'en rahmou alayh, wa rahmou sa'alayh à tous les hal. De toute façon, il a laissé de très bons souvenirs, que ce soit chez les étudiants, chez les enseignants, ou bien c'était un frère, c'était un père pour ces étudiants-là aussi. Et même vis-à-vis de sa famille, c'était un père exemplaire, qui aimait beaucoup ses enfants, il a fait beaucoup pour ses enfants. C'est quelqu'un qui est très humain et très, très sensible. Et voilà, donc, Inch'Allah, Rabbi Oussal. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ محمد مدينة المدير المكلف للبحث العلمي ودراسة مادة الترجع على مستوى المدرسة الوطنية العليا للعلم. جي كوني لو روغريتي سي عيادي دوبوي 1993, à l'École nationale supérieure d'hydraulique. J'ai connu en lui un homme dévoué à son métier. Il aimait énormément son travail. Il prenait à cœur toutes les activités pédagogiques inhérentes
au développement de l'École nationale supérieure d'hydraulique. Il était très proche des étudiants. Il était aussi très proche de ses collègues. Et il nous a laissé un grand vide au niveau de l'école. Et nous ne pouvons jamais l'oublier. Et nous ne pouvons jamais oublier tout ce qu'il a fait pour l'école. Il a pratiquement donné toute sa vie à cette école. Il a participé à son développement. Il a participé aussi à lui donner une envergure internationale. Il a aussi participé à donner à cette école une place importante au niveau national en ce qui concerne la formation, la recherche, et tous les étudiants qui ont vu M. Ayadi en qualité d'enseignant peuvent en témoigner. Ils sont nombreux et ils sont partout en Algérie, ils sont même à l'étranger, et ils étaient très émus après sa disparition au Rabbi Inch'Allah Yarhamou. Et j'espère que tous nos collègues suivent ou bien feront ce qu'il a fait M. Ayadi à cette école, afin qu'on puisse donner une envergure très importante, c'est-à-dire très importante à cette école en termes de formation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc je me présente, c'est M. Mihoubi Mustafa Kamel. Je suis enseignant-chercheur au niveau de l'École nationale supérieure hydraulique, un ex-élève ingénieur de cette école, promotion 1991. J'ai commencé à occuper des postes administratifs à partir de 1995 en qualité de chef département aménagement et génie hydraulique, sous l'autorité de M. Khtel comme directeur et M. Mohamed Mohamed Saïd comme sous-directeur chargé des affaires pédagogiques. Et depuis, j'exerce à l'école et j'occupe toujours le poste de responsable, bien poste de chef de département d'aménagement et génie hydraulique. Cette année, on va fêter la quatrième année l'anniversaire du départ du regretté Abdrahman Ayadi, notre enseignant, frère et collègue. C'était quelqu'un où je l'ai connu en tant qu'élève ingénieur et puis par la suite en tant que collègue au niveau administratif. Il était chef de département de formation continue et nous avons passé d'agréables moments, de bons moments, des moments riches, fructueux pour l'école. Surtout dans les moments difficiles où l'Algérie, dans les moments difficiles qu'a connu notre pays, où nous avons quand même œuvré avec dévouement pour rehausser cette école. Monsieur Ayadi, le regretté Abdrahman, comme on le nomme, c'était quelqu'un de très bonne humeur, quelqu'un qui ne manquait pas avec ses blagues et quelqu'un qui avait des opinions et sur la pédagogie, sur la formation continue, c'est la formation d'ingénieur, où il parlait ardemment sur la qualité de formation au niveau de l'école. En ce qui me concerne, on partageait pas mal d'opinions ensemble, et ce qui fait bien, c'est quelqu'un qui accepte l'autre, qui accepte les opinions des autres quand ils ne sont pas les mêmes avec les siennes. Et ça que j'admire chez ce monsieur-là. En ce qui me concerne aussi, nous-mêmes dans le domaine de la recherche, nous avons effectué quelques travaux ensemble, donc on témoigne qui se trouve maintenant sur le site. Moi, je trouve que la perte ou bien le départ de M. Ayadi à un jeune âge, qui était quand même une perte pour l'école, on aurait souhaité, mais ça c'est le destin. Nul ne peut éviter ce destin-là. Il était quand même là, un enseignant qui pouvait aussi donner, aussi en ce moment-là,
on traverse cette réforme, la réforme d'enseignement, en passant du classique vers le système de chronologie, il pourrait quand même donner un grand plus dans la formation des ingénieurs, étant donné qu'il a participé à la formation de nombreux ingénieurs. Et moi, comme je suis venu à l'école, je l'ai trouvé aussi, il était là à former ses... je dirais parmi les travaux qu'a effectué le feu avec moi, M. Ayed Abdelrahman, c'est surtout sa participation active dans la formation des élèves ingénieurs de l'École nationale supérieure d'hydraulique. Et aussi, il a participé dans tous les programmes de perfectionnement et des stagiaires, notamment des subdivisionnaires, quand il était chez nous en formation continue. Et aussi, il a œuvré à la mise en place, il tenait à la mise en place de l'association des anciens élèves. Donc, sur ce plan-là, nous avons quand même, à l'époque, travaillé à la mise en place de cette association qui tenait à cœur ce projet. Et je pense que les ingénieurs de l'école, les anciens élèves ingénieurs, certains parmi eux, ils sont en train de œuvrer dans ce sens-là pour mettre en place et répondre aux souhaits de M. Ayed. كنت هنا طالب في المدرسة الوطنية العليا الري بين سنوات 96 و 2002 و 1999 عفوا تعرفت على الأستاذ عيادي لما كان أستاذي في مادة التزويد بالمياه الصالحة الشرب طالب منتصفون القوطة و كان أستاذ يعني بلان دو كيتي بلان دو تري جوايو Donc, un tenait un sens de professionnalisme dans son enseignement, une manière particulière d'approcher les étudiants. Les étudiants, la classe terre, très, très serein, le discours, le cours en passait très bien. Donc, les étudiants, n'importe quel problème, ils pouvaient parler avec lui sans tabou. Donc, c'est une histoire de professionnalisme, parce que quand on est enseignant, quand vient à la vie professionnelle, on a un certain acquis professionnel qui nous a été très bénéfique. Donc, on a terminé les études d'ingénierie, donc je suis parti en Irak pour terminer le magistère. Après le magistère, je suis revenu à l'école ici, donc pour être un enseignant ici au monde hydraulique. Monsieur Ayedi est un collègue, donc il n'a pas mélangé un étudiant-collègue, donc même qui est un collègue. La relation a été une relation très très proche, des mentalités, les techniques d'enseignement, la manière comment faire passer le message efficacement. M. Ayed est venu qu'un chef de département, la spécialité, donc مشكل كل غير يفتح الباب تاع مسيو عيادي المشكل هذاك يخلص ميم سي لونسيون هذاك نيت با ساتيسفي يخرج سوريا دونك عمر ولا ما كان يخلي لي كونفلي هادو جامي ما كان عنده كونفلي مع حتى واحد دونك هادي هي مش طرف مسيو عيادي وثاني دونك اخر الايام تاع مسيو عيادي ربي يرحمه دونك كنا مره على مره نزورو في البيت تاعو كان ما كان دايما يعطينا دروس ثاني في الحياه واحد ما هاد المرة آخر مرة زرتو قال لي هذاك عماري قال لي نتخيل لو صباح النوض ومانيش مريض والمرض هذا يروح قال لي أي واحد
كي نخرج برا اي واحد نلقاه نعنقو ونسلم عليه دونك تيلمون مسكين كان اوكي لي مي فيفري لي مي لافي دونك نطلبو ان شاء الله الرحمه والمغفره ان شاء الله لي جينيراسيون لي يجيو يتبعوا المسيره تاع الراجل اللي خلى الاثر تاعو وكان اون فيغور ماركونت دو ليكول دونك quand il nous a quittés, donc l'école a été handicapée d'un de ses piliers. Inch'Allah, pour relever le flambeau back, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, il s'agit de commémorer un peu le parcours de M. Ayed Abrahman. Bon, je l'ai connu sous les deux phases, en tant que collègue de l'administration, puisqu'il a occupé pas mal de postes durant son parcours. Dans un premier temps, il a occupé le poste de chef département de la formation continue. D'ailleurs, c'est lui qui a initié ce département. Et un poste de chef de département de spécialité. Et je l'ai connu en tant qu'enseignant. Donc, en tant que collègue de l'administration, c'était un bonhomme très correct, très organisé et efficace. En tant qu'enseignant, je crois que Naya, il était plus que disponible. Il était plus que disponible par rapport aux étudiants. Donc, il répondait à tout, il répondait tout le temps présent, et il n'avait pratiquement aucun problème avec les étudiants durant tout son parcours. Donc, je crois que l'explication d'Aliya, elle résume un peu le parcours de Cheikh Ayadi, Rayahmou. Et توظفت في هذه المدرسة منذ 5 ديسمبر 1987 عملت في كثير من المصالح وتعرفت على السيد عبد الرحمن عيادي كزميل عمل ومهنته أستاذ يعني علاقتي معه قليلة في الإدارة هو أستاذ كان كزميل عمل أستاذ إنسان يتميز بشخصية عادية ولكن في أخير أيامي تعرفت عليه جيدا كان يحسن المعاملة معنا وكان يحسن المعاملة مع الطلبة ما عرفش علي بالزر نعرفو على كزميل عمل هكذا ما عندناش علاقه مع محسوب العلاقه اللي بيناتنا هي بيناتنا علاقه عمل فقط وفي اواخر ايامه كان كانه يودع يذهب من مكتب يوميا ويلقى علينا التحيه وكان هكا يزعق شويه قلنا فوالا شوفوا انا نجي ونشوفكم كل يوم وانتم ما تحوسوش عليا هذه اللي يسمى خلاها اخر شيء خلاه في حياته هذه المعامله اللي كشغل حس بلي رايح يودع هذا ما كنتش نعرف عليه وكاستاذ مام الزوجه تاعو كانت تقولنا بلي كان عاطي وقته كامل للطلبه وثاني كشخصية كان يتعامل بسياسة عنده إنسان يتميز بالسياسة بزاف يستعمل أسلوب سياسي هكا بسم الله الرحمن الرحيم أولا أقدم نفسي سيد مداح بولام من مواليد 1959 لقد دخلت إلى المدرسة في عام 1983 وبدأت في حياتي في منصب كرئيس تتبع المراقبة وبعد ذلك تعرفت بالسيد عيادي عبد الرحمن رحمه الله
في 84 ولقد أعجبني كثيرا كمعلم كأستاذ أو وكرئيس تزويد المياه الصالحة للشرب وبدأت نعمل معه لمدة 4 سنوات وبعد ذلك عرفته جيدا كأخلاق يعني كذكاء مع الطلبة وأنا كنت يعني من أوائل اللي ساعدته في حياته كون كأنه معلم يعني يروح يتابع مع الطلبة وأنا نحمل مسؤولية في مكانه. السيد عيادي الله يرحمه كأستاذ كتجربة لقد قدم الكثير إلى المدرسة الوطنية للري بصفته أستاذ وكرئيس مصلحة رئيس القسم تزويد المياه الصالحة للشرب وهكذا عرفته يعني كزميل كصديق كأب باسكو هذاك الوقت أنا كنت صغير كنت دخلت إلى الـ إلى الـ إلى المدرسة في السن 23 سنة وبعد ذلك مررنا إلى مرحلة ثانية وهو تخلى على منصب رئيس القسم تزويد المياه الصالحة للشرب وبدأنا في التكوين المتواصل لمدة عامين وهكذا انتهت معه العمل وبدأت في مكان آخر وهو المنصب حاليا كموظف في تعليم وتقييم إلى يومنا هذا وشكرا. C'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur. Je l'ai connu en tant qu'étudiant. Et franchement, ce que je peux en dire, c'est qu'il m'a beaucoup marqué. Il m'a beaucoup marqué premièrement par sa qualité d'enseignant. C'est un très grand pédagogue. C'est quelqu'un avec qui on se lue en salle de cours. C'est ce que j'ai retenu donc, avec lui. Et ce que je peux dire de lui aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a un très grand sens de l'humour. Franchement, je vous ai dit, vous pouvez parler avec tous les anciens ingénieurs qui sont sortis ici de cette école. Ils peuvent vous dire la même chose, c'est quelqu'un, c'est un très très bon pédagogue. Ça, c'est d'une part, en tant qu'enseignant. Et d'autre part, bon, j'ai eu la chance de travailler avec lui également, quand j'ai terminé mes études. Eh bien, c'est quelqu'un, c'était un très très bon collègue. C'était quelqu'un qui aidait tout le monde. Et bien franchement, moi personnellement, il m'a beaucoup aidé. Il n'a jamais hésité à me venir en aide, à chaque fois que je l'ai sollicité. Et il en faisait de même pour tout le monde, en quelque sorte. Donc, ce que je peux vous dire de M. Aliani, c'est un grand monsieur, paix à son âme. Il a tout donné à cette école. Donc, c'était un ancien de l'école, je crois. C'était parmi les premières promotions de cette école. Et il a fait toute sa carrière, quasiment toute sa carrière ici. Il a formé des générations et des générations. Franchement, je lui porte toute ma gratitude. Et je lui dis paix à son âme. Et c'est une très bonne chose de lui rendre cet hommage.